Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur la FFF TV pour la suite de cette magnifique compétition de Beach Soccer, l'Euro Beach Soccer League à Alghero en Italie, plus précisément en Sardaigne. Vous voyez, hein, le cadre est magnifique, on a la mer, les montagnes également au fond, un petit coucher de soleil, on est bien sur la FFF TV. Sur cette fin d'après-midi, on va vous proposer un superbe match, en tout cas on l'espère, une victoire française, parce que les Français qui vont évoluer en blanc cet après-midi vont jouer contre les Danois en rouge. C'est la toute première confrontation de l'histoire pour ces deux équipes. La France qui fait office de favori dans ce match, eux qui sont actuellement 29e mondial face aux Danois qui sont la 53e nation mondiale. Et donc l'équipe de France qui va essayer de se rattraper après la défaite inaugurale face à l'Estonie. On va partir pour 3 tiers-temps de 12 minutes. On a donc on est sur le terrain annexe là, hein. On était sur le terrain principal hier qui était un petit peu plus grand. Le champ de caméra sera un peu plus bas, ça va nous permettre de voir encore mieux ce qui va se passer. Bonne nouvelle également, hein, parce qu'on a vu Anthony Barbotti qui est là, on l'avait quitté boitant lors du match face à l'Estonie. On a presque eu peur, hein, lui qui participe à sa dernière compétition internationale. Mais il est bien sur le sable. Et attention, parce que tout de suite, voilà, c'est lui qui va contrer. Et il a l'air d'être strappé d'ailleurs, Barbotti. Allez, on va tout de suite jouer un petit peu long. Voilà, on le voit, hein, le genou. Ça a l'air de tenir quand même. Et donc les Français qui vont jouer en blanc. C'est vrai que c'est différent, hein. Si vous étiez avec nous, c'était hier, hein, à 11h30, c'était plus tôt. On avait eu un match totalement différent face à une très très bonne équipe estonienne. Attention, le premier arrêt du gardien danois, Oliver Levin. Anthony Barbotti qui s'est mis en position de frappe, lui qui est le meilleur buteur français de cette compétition, 17 buts inscrits. Depuis qu'il évolue avec le maillot bleu dans cette Euro Beach Soccer League. Suivi de près par Jérémy Bruin et ses 13 buts notamment. Et donc du côté des Danois, voilà. Une équipe danoise qui est en construction, qui progresse. Mais clairement là les Français doivent gagner, surtout après la défaite face à l'Estonie hier. On rappelle également, soyez au rendez-vous demain à 15h30. Le match France-Portugal, celui-là, il va valoir le déplacement. Et attention, parce que là, il va y avoir peut-être une première tentative. Non, la frappe qui est écrasée. Ouais, en tout cas, on va entendre, hein, le sélectionneur Claude Barabé. Ah, c'est l'avantage aussi d'être sur ce stade annexe, c'est qu'on va entendre encore mieux les entraîneurs notamment. Et Quentin Gosselin, capitaine, qui va pouvoir tirer au but pour la première fois. Allez, Gosselin face à Levin. Ouais, il est loin, il a une belle frappe mais pas évident. Avec son pied gauche, ça passe à côté. Alors, ouais, en plus avec le soleil, on va voir, hein, ça va peut-être les gêner aussi un petit peu les joueurs. On va essayer de suivre le ballon. Avec le capitaine. Oh, attention là, ouais, la bonne sortie. Et le capitaine de Kasper Dorf Jorgensen. Je sais pas comment on va l'appeler, hein, sur le site officiel. Il est nommé Jorgensen. Sur son maillot, c'est marqué Dorf. Bon, on va voir. Et attention, parce que la première très bonne frappe de Théo Guérin. Ouais, c'est même le poteau, hein. Il me semble que c'était encore Anthony Barbotti au deuxième poteau. Allez, bienvenue à tous, en tout cas ceux qui sont dans le chat, n'hésitez pas à commenter.
Il y a Shodan qui nous dit allez la France, Sébastien qui nous dit c'est quoi EBLS? C'est la Euro Beach Soccer League. Voilà, c'est une compétition européenne. Oh là, attention quand même, restez concentrés. Voilà, Théo Guérin qui avait été excellent lors du premier match. Et Martinique qui nous dit bonsoir la famille, merci la FFF. Eh oui, la FFF TV qui vous régale, qui vous propose cette compétition en intégralité. On rappelle demain le France-Portugal à 15h30. Il y aura peut-être un match de barrage aussi à confirmer vendredi, voire des éventuelles demi-finales et une finale, qui sait, mais ça risque d'être compliqué avec la défaite initiale. À noter tout de même que lors du match entre le Portugal et le Danemark, les Portugais s'étaient imposés 10-4, victoire assez facile. Et c'était ce matin, hein, Portugal face à l'Estonie. Le Portugal a battu l'Estonie 4-3 seulement, j'ai envie de dire, ce qui prouve que l'équipe d'Estonie est vraiment très solide. Allez, Barbotti, dommage, qui avait pris le meilleur sur son vis-à-vis. Alors oui, c'est la même équipe hein, qu'hier, tout simplement parce qu'il y a une phase de poule avec donc l'Estonie, le Danemark et le Portugal. Allez, attention, le gardien danois, justement. Vekerberg qui va retrouver son gardien. On va essayer de relever le ballon. On voit hein, les premières rotations françaises à qui vont arriver. On rappelle que les changements sont illimités au beach soccer. Allez, il est tout seul, il a du champ libre. Ouais, ça par contre c'est perdu, compliqué. Là derrière c'est bien joué avec Barbotti qui retrouve Bru, le bel arrêt en deux temps. Encore une fois Bru qui demande une faute. Et les Danois qui vont pouvoir repartir avec Vegerberg. La belle interception. Allez, peut-être la frappe de Constant. Et encore une fois, le bel arrêt d'Oliver Levin. Allez, les premiers contacts. Et on revoit l'arbitre qui n'avait pas bronché. Derrière, c'est bien contré par Axel Dam. Ça sera le joueur à surveiller. Hein. Clairement, 22 buts dans cette compétition depuis qu'elle existe. Oh, la belle tentative, le retour d'acrobatique de Jérémy Bru. Ça va repartir. Toujours 0-0, 8 minutes de jeu. On rappelle, hein, 3 tiers temps de 12 minutes. Attention à cette frappe là qui passe au-dessus. Des buts qui font 2m20 de hauteur sur une largeur de 5m50. Un ballon. Oh la frappe, encore une fois hein, de Théo Guérin. C'était celui qui avait le plus tiré au but face à l'Estonie. Oui, c'est une des possibilités dans ce sport. Une des particularités, c'est que le gardien est vraiment très important, si ce n'est peut-être le joueur le plus important. Hein. C'est vrai que on a vu une réelle évolution au beach soccer avec notamment le poste de gardien qui participe de plus en plus. Claude Barabé qui disait dans une interview d'ailleurs sur la FFF TV qu'à terme ça ne le surprendrait pas de voir des joueurs de champ tout simplement qui pourraient faire le chemin inverse et être gardien en formant un petit peu ces anciens joueurs à être bons sur leur ligne notamment. C'est vrai que Guérin a les deux quand même hein. Alors il a beaucoup tenté lors de la journée d'hier. Il a quasiment marqué. Barbotti avait dévié de la tête. C'est vrai que c'est un poste important et Claude Barabé le sait. Hein. Évidemment, lui, ancien gardien, entouré de son staff. Hein. Évidemment, avec Jean-Marie Aubry, lui aussi, hein, grosse carrière en foot à 11. Allez, là, il y a un bon coup à jouer peut-être, Garbi. Ah, le ballon qui est sorti, c'était pas évident. Patrick Fautrard, le chef de délégation. Valentin Haut, le préparateur athlétique. Et analyse vidéo qui a rejoint hein, l'équipe de France il y a quelques mois. Ça prouve aussi que l'équipe de France se professionnalise.
la Fédération française de foot aussi, qui suit cette équipe de Beach Soccer depuis 2006, l'année où elle a rejoint un petit peu le giron de la FFF. Il y a eu la création d'un premier centre d'élite de Beach Soccer à Montpellier en 2022. Création de compétition aussi, on aura peut-être un championnat de D1 dans les mois à venir, on l'espère. Une équipe de France féminine aussi. Ce sont un petit peu les objectifs de Claude Barabé qui participe au développement du beach soccer en France. Les Français qui ont été champions du monde avec un certain Eric Cantona qui était sur le banc. Cette époque où de nombreux anciens joueurs de foot à 11 se mettaient au beach avec Eric Cantona, son frère Joël. On a vu des joueurs comme Mickaël Pagis aussi essayer le beach soccer. C'est un petit peu moins évident maintenant parce que ça demande quand même beaucoup de travail. Allez, en tout cas c'est intéressant parce qu'on entend en plus les consignes de Claude Barabé, voilà, qui disait pas maintenant, là ça sert à rien d'aller le chercher. On voit tactiquement c'est évidemment hyper intéressant. Ah là il est agacé le capitaine Kasper Jørgensen. Ah, l'entraîneur espagnol qui est tout jeune, Gomez Leon, 31 ans, profil atypique. Et c'est Lucas Drouillet qui va se charger de ce coup de pied arrêté, lui qui évolue au club de la Grande Motte, l'un des meilleurs clubs français, 5 fois champion de France, qui ont perdu cette année face au Minot de Marseille. Ah oui, scène un petit peu insolite. Là, on est obligé de pousser les chaises quand même pour laisser la place. Claude Barabé qui lui dit t'es capable. Allez, Lucas Drouillet peut-être pour une ouverture du score. La frappe de Drouillet. Ah, bien joué. C'était vicieux avec un rebond juste devant le gardien. Et Oliver Lévin était sur la trajectoire. Et Lévin qui va écarter avec son capitaine Jørgensen. Ah, dommage, derrière Gosselin qui avait bien lu la trajectoire du ballon. Oh, la frappe derrière et le super arrêt de Théo Guérin. Encore une fois, en grosse forme pour l'instant. On avait vu des changements lors du match précédent avec Samir Belhamri qui a un profil totalement différent. Allez, Gosselin. Ah, dommage, c'est peut-être un petit peu précipité là. Et derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Hugo Lefebvre au contact face à Kasper Jørgensen. Allez, on revoit. Bon, c'est pas évident, c'est dans le jeu. Fait toujours un petit peu mal. Un petit peu de sable. Ça discute avec le capitaine Hugo Lefebvre qui vit ses premières sélections avec l'équipe de France de beach soccer. Lui qui joue à la S étape, tout comme le capitaine Quentin Gosselin. Claude Barabé qui... me disait, on est sur un carrefour un petit peu intergénérationnel dans cette équipe avec beaucoup d'anciens, notamment la légende du beach soccer français, Vasquez qui a arrêté sa carrière internationale, Barbotti qui va faire son dernier Euro aujourd'hui. Il y a des jeunes qui poussent, notamment Anes Garbi, Kylian Varel, notamment Alexandre Artufel. La formation des joueurs de beach soccer très importante. La FFF l'a bien compris. Et voilà, Barabé qui dit ne va pas les chercher, ça va créer un décalage ensuite. Là, on retrouve le gardien. Ah, on a changé de gardien, ça c'est intéressant. Gustav Madsen qui est rentré.
Alors on va voir si on a des tactiques un petit peu différentes. Hein. On avait eu un Bellamri qui lui est spécialiste plutôt du jeu à la main, qui tire très peu au but, contrairement à Théo Guérin qui lui est plus à l'aise au pied. Ça permet d'attaquer de manière totalement différente avec des schémas de jeu qui vont varier un petit peu selon l'adversaire. Et Souleymane qui nous dit qu'il faut affronter le Sénégal en Coupe du Monde. Le Sénégal est un grand pays de beach soccer et du football en général, ouais, ça c'est vrai. Mais malheureusement, les Français ont raté de peu la qualification à la Coupe du Monde. Eux qui n'ont plus connu cette joie de participer à la plus belle des compétitions depuis une dizaine d'années maintenant. Ils avaient fait un beau parcours en battant la Grèce, en battant l'Allemagne notamment. C'était début juillet à Bakou en Azerbaïdjan. Malheureusement, il fallait battre la Biélorussie lors du dernier match et les Français sont inclinés 3-1. Allez, Gosselin, le pied gauche à Donald. En fait, ça avait été touché par Axel Dam. Allez, Wegerberg. Ouais, c'est bien joué. La bonne sortie de Constant. Jérémy Bru, comme d'habitude, un très combatif. Oh là, il y avait peut-être un petit quelque chose. Ah, on voit, hein, ça nous rappelle aussi le schéma, un petit peu comme contre l'Estonie hier. Des joueurs qui n'hésitent pas à aller au contact. Les Français, pour l'instant, qui n'arrivent pas à se mettre en position de frappe. Allez, ça c'est bien joué. La frappe derrière qui passe largement au-dessus. Le pied gauche. Et Barbotti qui va retrouver Théo Guérin. Théo Guérin de nouveau. La frappe de Théo Guérin, ça a été contré. Eh oui, oui. Claude Barabé qui demande à son gardien de continuer. Gosselin. Barbotti, un petit peu esselé pour l'instant, on n'arrive pas à le trouver, le buteur français. On voit hein, cette ligne de deux là, composée de Jérémy Bru et Anthony Barbotti. La consigne, c'est de pas trop se projeter et laisser venir Lucas Franzen qui va retrouver son gardien, Gustav Madsen. Ah, ça c'est bien joué, la relance à la main pour changer de direction. C'est de créer un décalage. Allez, la frappe! Oh là là, c'est quoi, la barre transversale ou un arrêt? On a le soleil couchant là en plus, alors ça nous fait des superbes images, mais c'est vrai que pour les joueurs, ça doit peut-être pas être évident. Attention, deuxième poteau, il a été oublié. Il va pouvoir se retourner, mais tout de suite, Jérémy Bru, c'est bien. Il est venu gêner cette relance. Oh là là, le joli travail derrière d'Oscar Jorgensen. Jérémy Bru ne s'est pas laissé prendre. Hein. 33 ans, le joueur du Marseille Beach Team. Lui aussi, hein, qui a connu pas mal de choses avec cette équipe de France. Attention, on retourne acrobatique. Allez, on a entendu, va marquer. Théo Guérin qui tente une fois. Il a plus sa chance. On replace maintenant derrière. On a même des supporters danois dans le chat de FFF TV. N'hésitez pas à vous abonner hein, si vous ne l'avez pas fait encore. À la page YouTube, à vous inscrire sur FFF TV aussi. Il y a beaucoup de contenu. Hein. Des vidéos quasiment tous les jours. Moi qui me connecte régulièrement, à chaque jour je me connecte, j'ai des nouvelles vidéos à voir. Là récemment, vous voyez, juste hier, il y a eu quasiment 5 vidéos. L'arrivée des Bleus à Clairefontaine, l'équipe de France féminine qui va participer à la Ligue des Nations. Le match entre la France et l'Allemagne en futsal, ça va être un grand rendez-vous aussi. Ça sera à 21h à suivre sur l'équipe. Je vous invite à jeter un œil si vous ne connaissez pas le futsal. Gros match
l'équipe de France qui va essayer aussi de se qualifier pour la Coupe du Monde. On a voilà, des images de l'entraînement, des filles également, des images des U17, beaucoup de choses. La D1 Arkema aussi avec tous les buts de la journée 1 et tout est gratuit. Profitez-en dans une époque où on le sait, il faut toujours payer maintenant pour voir des matchs. Malheureusement, sur la FFF TV, on a cette possibilité de vous offrir plein de matchs gratuits et ça fait très plaisir. On va revoir là quelques occasions avec notamment encore une fois hein, Théo Guérin qui a été presque le joueur le plus dangereux. Ça discute. Bon, les Danois avec le coach espagnol Gomez Leon. On rappelle donc que les Français ont perdu le premier match 4 à 5 après prolongation. Ça a été un match très très serré. Un scénario hitchcockien. Et finalement, les joueurs de l'Estonie qui avaient réussi à marquer dans les toutes dernières minutes de jeu. Ah, merci à Aurélien aussi qui nous refait un petit coucou, qui était là hier. Lui qui a une page Instagram, je vais juste aller la suivre. Just Beach Soccer, il fait un gros gros travail, j'avais déjà regardé un petit peu hier. Et on a même eu le droit des réactions, bah, notamment de Théo Guérin hein, après la défaite face à l'Estonie. Il disait qu'il nous a manqué sûrement de la justesse technique et de la finition. Bah, c'est vrai qu'ils avaient beaucoup tiré au but. Et voilà, il a manqué de précision dans le dernier geste. On va revoir le match. Et il explique, hein, c'est intéressant, j'ai essayé de beaucoup tirer contre l'Estonie car il me laissait de l'espace dans l'axe. Donc j'ai essayé d'insister sur la frappe. Mais malheureusement, je n'ai pas assez cadré. Bon, ça va, il est lucide en tout cas, Théo Guérin. Et je vous invite à aller voir en tout cas le compte Just Beach Soccer, une page Instagram. Aurélien qui fait un gros boulot. Allez, les Danois, peut-être bien joué, la bonne défense. Alors, en tout cas, moi j'adore hein, le beach soccer. C'est vraiment un sport très intéressant à suivre, déjà à commenter. On s'ennuie pas. 3 tiers temps de 12 minutes, c'est court. Il n'y a pas d'arrêt de jeu interminable. Des remplacements illimités. Et puis évidemment, des superbes gestes. Pour l'instant, on n'a pas vu de but. C'est assez rare là dans ce match, alors que le deuxième tiers-temps commence. Ah, y a une bonne remarque de Kryptonite qui nous dit que le ballon serait plus visible en jaune fluo. Alors hier, c'était très bien. C'est vrai que là, avec le coucher de soleil et la caméra qui est un peu plus bas aussi, c'est un petit peu plus compliqué. On est sur le terrain annexe. Et donc, en effet, pourtant, on les voit bien, hein, les ballons. Mais c'est vrai que sur ce plan de caméra, un petit peu compliqué. Mais on voit quand même bien. Ah, la réalisation qui est italienne. Hein, on a vraiment de la chance de pouvoir suivre ça gratuitement. Surtout que pour être transparent, si vous voulez suivre les matchs de cette compétition, même voir des résumés sur le site un petit peu officiel de la compétition, il faut payer. Donc voilà, sur la FFF TV, c'est gratuit, tant mieux. Allez, la frappe du pied gauche, dommage, derrière. Allez, il reste plus qu'à ouvrir un petit peu le compteur là. Ça permettrait de débloquer ce match.
Et on a entendu un Barabé qui demandait sur lui pour ne pas le laisser tirer justement. La tentative de Kasper Jørgensen qui passe au-dessus. Théo Guérin de nouveau. Le 10 et 1. Warda. La place dans l'axe. La faute hein, qui a été sifflée là, l'obstruction sur Lucas Drouillet qui a pris le meilleur hein, sur son vis-à-vis. Ah, et pour compléter avec les réactions sur la page Just Beach Soccer, hein, Jérémy Bruy qui disait on n'a pas été assez efficace devant le but adverse, on a eu beaucoup d'occasions, on a manqué d'efficacité, on n'a pas été assez tueur. Hein. C'est vrai que c'est un peu le sentiment qu'on a eu. Allez, on l'a entendu. T'es capable, la frappe, le bel arrêt. Réflexe là de la poitrine. Ah oui, dommage. Derrière Nesgarbi là, une faute a été sifflée. On revoit la frappe avec toujours ce rebond là, juste devant. Ça met clairement en difficulté le gardien. Ouais, on l'a vu, hein, là, le ballon derrière, aux couleurs marocaines. Alors, c'est pas fait exprès. Hein. Pas par rapport à ce qui s'est passé malheureusement au Maroc il y a quelques jours. Mais on le voit bien, hein, ce ballon. Et bon, c'est vrai que, avec le soleil. Et attention, parce que Lucas Franzen va se charger. Oh, la frappe. Allez, Garbi, tout en vitesse. Il est passé Garbi, le centre en retrait. Ah, dommage, il est arrivé. Attention parce que là, heureusement. Heureusement, Gustav Madsen, il y avait peut-être un bon coup à jouer. Ouh, la superbe reprise acrobatique encore une fois. Allez, 7 minutes 50 encore à jouer. L'arrivée de Lucas Drouillet qui va retrouver son gardien Théo Guérin. Lui aussi un gardien du Grand Mode Pyramide Beach Soccer. Guérin, dommage. Ah, je pense vraiment que Guérin, avec un petit peu plus de réalisme, il va faire beaucoup de mal. Hein. Oh, cette reprise de volée supersonique du pied gauche. Elle était l'œuvre de Carlos Carr Wegerberg, mais ça passe à côté heureusement. Allez, de nouveau Guérin, voilà, peut-être changer Drouillet qui a d'espace. Ah, bien joué Lucas Franzen. Allez, on peut pas rester sur du 0-0 en soccer. Attention là, cette tentative, c'est contré. Allez, il faut la mettre, Garbi. Allez, en deux temps peut-être. Aïe, 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 le sauvetage derrière Jérémy Bru. Oh là là là, dommage. Quelle occasion française.
la vitesse d'Anes Garbi. Nouran Garbi qui est là aussi, hein, qui nous dit trop rapide Garbi. Je te soupçonne de ne pas être totalement objectif, mais c'est vrai que Garbi, c'est une fusée, on l'a vu hier, notamment son but face à l'Estonie, à chaque fois qu'il récupère le ballon. Allez, Guérin, de nouveau, est-ce qu'il va avoir le champ libre? Il va décaler de nouveau avec Drouillet. Oh, ça c'est bien joué, Lucas Drouillet, encore une fois. Drouillet, et Barbotti, la frappe du pied gauche, elle était pure. Elle était parfaite, mais Gustav Madsen sur la trajectoire. La frappe, hein. Elle est très belle. Allez, peut-être encore une fois Barbotti. Ah, dommage. Ensuite, Kylian Varel qui vient de faire son entrée, qu'on avait beaucoup vu face à l'Estonie. Si je dis pas de bêtises, hein, il vit ses premières minutes sur ce match. Allez, Barbotti peut-être il va attendre de soutien. Barbotti, c'est bien intelligemment là derrière. Attention à pas perdre le ballon par contre derrière. Ouais, Quentin Gosselin, il y a une faute qui a été sifflée. Sébastien Fontaine dans le chat nous dit Garbi, c'est le prince des sables. C'est un joli surnom. Anes Garbi, on parlait de la jeunesse de l'équipe de France. Le joueur de Marseille Beach Team. Allez, ça discute hein, auprès de l'arbitre Mehdi Sayoud. L'arbitre principal accompagné de Lucas Ostrowski. La faute, elle semble claire quand même. Hein. Il était en retard, Gosselin. C'est pas du goût du banc de touche, mais voilà, ça discute en tout cas. Nouveau carton jaune. Attention quand même, c'est le troisième carton. Et Kasper Jorgensen, le capitaine de cette équipe danoise, va se charger. Pierre était attention. Hein. En tout cas, il parle français. Mehdi Sayoud, on n'a pas la... Il n'a pas la nationalité, a priori c'est pas un français, mais... Allez, attention, Kasper Jorgensen qui va se charger. Oh là là, c'est totalement dévissé, ça vient de partir au fin fond de la mer méditerranéenne, ici en Sardaigne. Ah, dommage, encore une fois, Théo Guérin, il lui manque pas grand-chose à chaque fois. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pas pris le ballon pourtant. La frappe qui passe quand même largement au-dessus. Ah oui, il s'est fait mal en la récupérant, insolite. Allez, en tout cas, il a l'air d'aller mieux. Le gardien danois, il a trouvé. Équipier, bien joué Guérin. On va jouer avec Barbotti. Le contrôle. Et voilà. On a entendu un laisse à Anto Constant. Guérin de nouveau. Allez, Constant qui avait fait un bon match hein, contre l'Estonie. Il avait été buteur de la tête hier. Guérin de nouveau qui va avoir peut-être une tentative. Non, on va jouer au deuxième poteau. C'est bien joué! L'ouverture du score française
elle est l'œuvre de ce diable d'Anthony Barbotti. Évidemment, lui, le meilleur buteur français de l'histoire de cette compétition, qui vient inscrire son 18e but et son deuxième de la compétition. Lui qui étreint ce maillot bleu pour la dernière fois en compétition internationale. Il est récompensé une fois de plus, Anthony Barbotti. Tout comme Théo Guérin, hein, de son bon match cette fois. Il n'a pas tiré, il a décalé son coéquipier. C'est superbe, c'est bien joué. C'est un petit peu dévié par Axel Dam. En tout cas, ça fait 1-0 et c'est le plus important. Allez la France, on continue. Allez, 3 minutes dans ce deuxième tiers-temps. C'est peut-être le moment d'enfoncer le clou. Voilà, le ballon qui va sortir. Allez, de nouveau Guérin. La frappe de Guérin. Très bon arrêt. Dans les bras de Madsen avec Axel Dam, qu'on n'a pas beaucoup vu, hein, heureusement, parce que c'est lui des principaux dangers de cette équipe, un des principaux dangers, pardon. Ouais, ça défend bien, hein, côté français, on suit individuellement les joueurs, on leur laisse très peu d'espace. Ouais, bien joué. Toute l'argne de Quentin Gosselin, le capitaine. Face à Axel Dam. Et voilà, le ballon qui est perdu, ça, ça fait toujours du bien. Guérin, dommage, qui a essayé de trouver son coéquipier. Les relances à la main. Importante aussi, hein, même si on a vu que c'est plus Samir Bellamri qui a ce rôle. Théo Guérin, il n'hésite pas à continuer de frapper. Allez, petit contrôle épaule là de Zuckerberg. 1 minute 20. Ouais, bonne séquence des Danois, mais la superbe couverture défensive de Lucas Drouillet. Allez, Jérémy Bru avec Gosselin. Allez, peut-être encore une fois. Guérin, non, il va retrouver son capitaine. Le rebond un petit peu capricieux, mais ça va rester dans l'air de jeu. Jérémy Bru. Eh oui, il n'avait pas le droit de la retoucher à la main. On a entendu Claude Barabé. Heureusement que je lui ai dit. C'était la deuxième. Allez, 44 secondes à tenir pour s'offrir un dernier tiers-temps. Et heureusement qu'on ne joue pas le match. Je pense que c'était l'heure parfaite là, hein, pour commencer ce match 18h, parce que le soleil est en train de se coucher tranquillement. Allez, carton jaune là pour Lucas Drouillet en retard. Ouais, le pied qui traîne un petit peu. Il fait quand même encore bien beau, hein. C'est vrai qu'avec la tribune construite, ça fait un petit peu d'ombre. Mais je pense que les joueurs là qui sont sur le terrain n'ont aucun souci de visibilité. Allez, 28 secondes et peut-être une dernière tentative danoise. Ouais,
frappe écrasée. Ah oui, il reste 20 secondes, important de le préciser. Pas perdre le ballon, dommage, ça va offrir peut-être une dernière tentative danoise. Allez, attention. Oh là là, et encore une fois, quel arrêt de Théo Guérin. Ah, il va pouvoir se faire une petite compile là, sur ses réseaux sociaux après cette compétition. Ah, magnifique l'arrêt. L'arrêt des deux points là. Superbe. Ah, excellent joueur, hein, ce Théo Guérin. Allez, ça discute entre les deux gardiens danois, Oliver Levin et Gustav Madsen. Les Danois donc, qui sont menés pour l'instant à zéro. Il va rester 12 minutes. Les Français qui vont peut-être empocher leurs trois premiers points. On revoit le but de Barbotti. Superbe. On avait déjà vu hein, ça hier, cette même séquence. Un Guérin qui avait un petit peu plus tiré, hein, on va dire une passe tir. Hier, là, c'est vraiment une passe dédiée à Barbotti. L'avantage, c'est qu'il a tellement tiré Théo Guérin que sur ce coup-là, les adversaires avaient anticipé hein, une nouvelle frappe, mais bien joué. Le décalage ensuite. Ah oui, on lâche rien. Allez, il va rester 12 minutes là dans ce troisième tiers-temps. Le public est venu en nombre. On voit encore une fois hein, le staff portugais évidemment qui va regarder ce match. Ouais, n'oubliez pas le dernier rendez-vous programmé pour l'instant dans cette Eurobeach Soccer League. Ce sera demain à 15h30 face à l'ogre portugais. On aura certainement un match de qualification vendredi également à faire à suivre sur les réseaux sociaux de la Fédération française de football. Vous pouvez également, si vous avez Twitter, me suivre. Je mets pas mal d'infos aussi par rapport aux retransmissions. @gloop94, voilà, pour ceux qui veulent avoir des informations sur les diffusions. Sinon sur BFFF. Hashtag Instagram, Twitter. Vous avez aussi l'Instagram de la FFF TV qui est actif de nouveau. N'hésitez pas à aller suivre ça. Pendant que on a vu encore une fois une frappe qui est passée pas loin. Attention, là les Danois ils vont essayer d'aller chercher un but. Ah, on va revoir alors ce qui s'est passé. Il n'a pas le droit de reprendre la passe, mais Gosselin estimait que le joueur l'avait touché. On l'a vu, hein, il a hésité un petit peu
Théo Guérin. Attention, parce que du coup, les Danois, ils vont avoir une très bonne occasion avec Axel Dam, justement, le buteur attitré de cette équipe. Et on a entendu Claude Barabé, hein, très intéressant, qui a dit attention, plat du pied, tu le sais. Certainement beaucoup de vidéos aussi, hein. Ah oui, on entend les supporters qui scandent le nom d'Axel Dam. Allez, attention, la frappe, aïe, 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 l'égalisation danoise. Elle est l'œuvre d'Axel Dam, son 23e but dans l'histoire de cette compétition. Il est venu tromper Théo Guérin et le sélectionneur Claude Barabé avait tout vu, tout anticipé. Le plat du pied, c'est ce qu'il a choisi, regardez. Ah ouais, il ouvre le pied, c'est toujours délicat, le ballon qui sautille un petit peu. Ah dommage, hein, parce que Théo Guérin, je sais pas s'il la touche, mais ça lui passe un petit peu en dessous les gants. Allez, un partout, 11 minutes de jeu, les Français qui vont devoir réagir, on l'espère rapidement. Allez, tout de suite, la frappe, contrée, le pied gauche. Dommage, la frappe de Barbotti. Ça, ça fait mal, hein, dans le bas-ventre, là, Lucas Franzen. Alors, on voit, hein, la frappe du gauche de Barbotti. Passe à côté. Ouais, ça discute avec les arbitres sur le banc. Attention à cette frappe. On avait essayé de trouver son coéquipier au deuxième poteau. Et Barbotti qui va rejouer avec Guérin de nouveau. Allez, une tentative, une frappe qui rebondit. Et The Spree qui nous demande ça dure combien de temps un match de beach soccer. 3 tiers temps de 12 minutes. On est dans le dernier. Il reste donc 10 minutes. On rappelle que c'est du semi-temps de jeu effectif. Hein, avec... le chrono qui s'arrête s'il y a un but, une faute. Et vous voyez, le chrono ne s'arrête pas lors des sorties de balles, contrairement par exemple au futsal, au basket, à d'autres sports. Et là, ça avait été touché. Dans un match de pitch soccer, ça dure environ une bonne heure, je pense. À peu près. Hier, la retransmission a duré 1h15 à peu près. Avec les hymnes, avec les ralentis également de tous les buts. On a une belle réalisation en tout cas ici en Sardaigne. L'intégralité des matchs sont diffusés sur leur propre plateforme. Et nous sur la FFF TV, on a la chance de pouvoir vous proposer déjà les 3 premiers matchs. Et la frappe de Kylian Varel. On voit, joli geste de Varel. Et on rappelle, hein, effectivement, merci à Aurélien aussi, qu'il y a, en cas de match nul, une prolongation de 3 minutes avant des éventuels tirs au but. Ce qui s'était passé hier, hein, avec
match. Estonie. Allez, Vegeberg qui va retrouver son gardien. 9 minutes, attention hein. Ça va se jouer aussi au mental là. Ouh, dommage, bonne combinaison. Allez, Guerre, hein, toujours très à l'aise avec ses genoux et son pied. Barbotti, ah dommage, le contrôle. Non, c'était Kylian Varel. Allez, rien de bien méchant. Il avait essayé de se mettre en position de retourner, regardez, le contrôle pour ensuite se l'amener, mais un petit peu trop derrière lui, compliqué. Tout jeune joueur Kylian Varel, hein, 20 ans, lui aussi au club de la Grande Motte, présidé par Anthony Barbotti. Allez, le décalage, il l'a pas tenté direct, il va retrouver son gardien. Oh, superbe, ça passe à côté. Allez, Guérin, il a le champ libre, Guérin. Allez, pourquoi pas tenter sa chance. Ah, dommage, ça passe encore au-dessus. La défense va peut-être venir. Hein. Toto Guérin dans ce match, il a beaucoup tenté. Ah, je suis pressé également de commenter le match de demain hein, face au Portugal. Une des grosses, grosses cylindrées du beach soccer mondial. Multiple champion du monde. On se souvient notamment de Madjer. Portugais. Ah, j'ai plein de souvenirs hein, quand j'étais petit. Regardez les matchs de beach soccer à la télé. Et à chaque fois, Madjer nous régalait de buts les plus incroyables les uns que les autres. Allez, attention! Ah, dommage! Très opportuniste sur ce coup-là, l'attaquant français. Il n'a pas manqué grand-chose pour qu'il inscrive un deuxième but. Et ça passe à côté, 7 minutes 30. 7 minutes 30 pour les Français avec le retour de Garbi. Allez, de nouveau. Théo Guérin qui a du champ libre. Ça a été touché par Gustave Madsen. Celle-là, elle était cadrée. Du cadre. Allez, il y a Gosselin en deuxième poteau. Oh, dommage, la tête. Il y a eu une faute hein, au préalable de Lucas Drouillet, il me semble. Cinq joueurs du club de la Grande Motte. Pyramid Beach Soccer. 2 de l'AS Étape. 3 du club de Marseille Beach Team. Et deux des clubs de Milan de Marseille, le club champion de France cette année. Qui ont battu justement la Grande Motte 8 à 7 après prolongation. C'était leur tout premier titre. Eux qui avaient une équipe composée d'anciens expérimentés. Mendy, Sansoni, des joueurs champions du monde. 45 ans, Sansoni notamment. Voilà, ça passe à côté heureusement. Avec Claude Barbé qui disait, voilà, on doit continuer de progresser. On a un petit peu de retard niveau physique par rapport aux autres nations. Ah, dommage, encore une belle frappe. L'arrivée de justement Valentin Hall, préparateur athlétique, fait que les Français sont de mieux en mieux. On espère hein, que l'équipe de France va pouvoir retrouver justement les grandes compétitions. Oh là 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 là, encore une fois, super barré. Guérin
Oh, la tentative. Lucas Drouillet, dommage, c'était bien parti. Kasper Jørgensen était sur la trajectoire du ballon. Attention Jørgensen, hein. Hier on se souvient du capitaine estonien qui nous avait fait beaucoup de mal. Allez, Hannes, il a du champ libre. Hannes Garbi, c'est bien joué. La frappe derrière. Ah, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il prend le ballon, il se passe quelque chose. Hein. Hannes Garbi. Il va tellement vite, on a l'impression parfois qu'il ne joue pas sur du sable. Ah, dommage ensuite. Ouais, bien joué, Bru. Garbi. Allez, avec Bru, peut-être, ils sont deux, là, ça se bat bien pour la conquête du ballon. Bru, la reprise. Et attention parce que le capitaine... Ouais, bien joué, Constant. Ouais, le match qui s'emballe un petit peu. Ah, on va la laisser sortir Théo Guérin. Fair play, qui a vu Axel Dam au sol. Eh oui, 5 minutes pour marquer. Claude Barabé, le sélectionneur. Lui, le natif de Saint-Pierre, La Réunion. Qui est là depuis 2020. À la tête de cette équipe de France de beach soccer. Allez, Guérin. Ah, dommage, ensuite. Ouais, évidemment, les joueurs de beach soccer, on a pas mal qui jouent aussi au foot à 11. Hein. Où est-ce qu'ils jouent du coup Hannes Garbi, c'est intéressant. Quelle division, quelle équipe. C'est vrai qu'il a des belles facultés d'élimination en 1 contre 1. The Spree qui nous dit ça va aller au tir au but cette histoire. Allez, attention quand même parce qu'il y a Kasper Jørgensen. Oh, c'était bien joué. Il n'y a rien du tout derrière. Allez, ça discute. Hein. Jérémy Bru. Ouais, on sent toute la passion de Claude Barabé qui demande à son gardien de la mettre au fond. On a entendu aussi Pantla au sol. C'est vrai qu'il a beaucoup tiré à mi-hauteur. Allez, on entend à chaque fois hein, les encouragements. T'es capable, Théo. Allez, Théo Guérin. Le gardien de 26 ans qui s'élance, qui frappe. Super barré du gardien. Jérémy Bru à la retombée. Oh, dommage. Elle était puissante, cette frappe. On va revoir le bon travail de Bru. Réussi à se mettre en position de tir très rapidement. Il a manqué quelques centimètres. Ah oui, Barbotti au pressing d'Axel Dam. 3 minutes 40. Est-ce qu'on va avoir de nouveau des prolongations comme hier face à l'Estonie? Pourquoi pas même des tirs au but? Qui sait, attention à cette frappe. Oh, le poteau qui est venu sauver Théo Guérin, il semblait battu. Oh, et derrière, Jérémy Bru, ça va d'un but à l'autre sur cette fin de match.
Pas maintenant. Attention à Madsen. Le décalage, la frappe du pied gauche, ça passe à côté. Le tout jeune joueur, hein. Danois, Vegeberg. Ah, ils ont bien défendu, les Danois. Je pense qu'après en avoir pris 10 face au Portugal, le sélectionneur d'origine espagnole a peut-être donné des consignes à ce niveau-là. Encaisser moins de buts. Allez, 2-3 en Barbotti pour retrouver Théo Guérin. Allez, pourquoi pas avec Gosselin derrière Kylian Varel. Les Danois qui sont dangereux, encore une fois Théo Guérin, attention le ballon, allez Anes Garbi, le deuxième but de l'équipe de France au meilleur but du monde. Elle est là, but génial, Anes Garbi qui du plat du pied gauche est venu tromper le gardien danois. Ah oui, on t'a vu sur ce coup là Anes, superbe but. On va revoir parce que ça part d'un arrêt. Ensuite, voilà, c'est parfait. Le plat du pied gauche. Il faudra revoir l'action. Non. Parfait. Ah, superbe. Hein. Sans contrôle, sans réfléchir. Le prince des sables, nous dit Aurélien. Ouais. Anes Garbi qui va peut-être offrir une victoire aux Français. Attention parce qu'il reste quand même 1 minute 55. Voilà, sans faute. Allez, derrière, Garbi, encore lui, qui est en confiance. Ça s'est bien joué au deuxième poteau, il est tout seul. Ah, il va retrouver Garbi. Allez, Garbi de nouveau, qui va tenter sa chance, dommage, ouais. Il demandait le ballon, Kylian Varel, mais bon, on ne peut pas trop lui en vouloir. Et voilà, on revoit, hein, c'est l'arrêt au point, c'est une passe décisive pour Garbi. L'importance de Théo Guérin dans ce match. Allez, 1 minute 20, il faut rien lâcher. Barbotti et Constant qui vont revenir pour la dernière minute de jeu. Le soleil qui se couche ici en Sardaigne. Les Français qui sont en passe de prendre 3 points pour ce match et s'offrir peut-être un match face au Portugal. Mais non, c'est Kasper Jørgensen, le capitaine, qui vient nous mettre un retourné acrobatique de folie. Oh, Théo Guérin qui n'en croit pas ses yeux. Au pire des moments, alors qu'il restait une minute, on pensait que les Français avaient fait le plus dur. Oh, quel but. Cette fois, il peut rien faire. Théo Guérin. Ah, elle est parfaite. Oh là 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 là. Superbe but. Et on va peut-être vivre des prolongations. Allez, attention, deuxième poteau. Allez, Gosselin, peut-être le capitaine. Gosselin sur son pied gauche. Il y a une bonne frappe. Non, là, cette fois, c'est parti bien trop. Allez, 20 secondes au deuxième poteau, attention la sortie, bien joué Théo Guérin, autoritaire sur ce coup là
Et on a entendu un bruit. Voilà, elle a été trouvée, 12 secondes. Attention les Danois. Oh là là, attention, parce qu'il va se mettre en position de frappe. Le rebond en deux temps, heureusement. Les Danois qui étaient tout proches de crucifier les Français. Allez, une seconde. On va voir le droit à des prolongations de 3 minutes. Décidément, après hier, le match face à l'Estonie, on a eu chaud là, quand même, côté français, à la retombée. Allez, de nouveau une prolongation donc pour ce match face au Danemark. Dommage, hein. Les Français, le scénario. Ah, il faut y aller, hein. Je pense que c'est ce que dit l'arbitre, le soleil qui est de plus en plus bas. Alors, je pense que sur le terrain principal, il y a des projecteurs, mais je suis pas sûr sur celui-là, il y en ait. Donc, peut-être pas trop tarder quand même à finir ce match. Et en tout cas, on va vivre avec vous sur les antennes de la FFTV. Encore 3 minutes légendaires. Allez, pourquoi pas peut-être dès la reprise. Allez, Guérin. Ouh, la frappe de Guérin, le bon sauvetage. Attention de nouveau Guérin. Et encore une fois de Gustav Madsen. Bataille de gardien. On rappelle donc 3 minutes et pas plus, sinon on aura le droit des tirs au but dans ce deuxième match de l'Eurobeach Soccer League. Attention aux Danois, faut pas se laisser se retourner. Le capitaine encore une fois, bien joué, très bonne défense. Et le ballon qui n'est pas sorti. On demande aux Français d'avancer, d'aller les chercher un petit peu plus haut. N'oubliez pas demain 15h30 France-Portugal, ce sera le dernier match à suivre. Derrière le ballon qui passe à côté, si vous souhaitez prolonger aussi votre soirée sportive, il y aura un superbe match de futsal sur l'équipe 21 France-Allemagne. Et puis vous aurez un autre rendez-vous aussi sur la FFF TV avec le 25 septembre, ce sera lundi à 20h30, un match entre l'Espagne et la France, les U23 féminines. Voilà, pour être totalement complet avec vous. Allez, Madsen, attention, là, il est oublié. On sait qu'il est très fort dans ce domaine. Barbotti derrière. Quelle occasion. Ah, ce Kasper Dorfjørgensen, là. Axel Dam, attention parce qu'ils sont bien les Danois sur cette prolongation là. Ils sont mieux que les Français. Il y a Garbi. Allez, le ballon qui n'est pas sorti. Hannes Garbi qui va essayer de travailler sur le côté, pas perdre le ballon. C'est bien joué. 45 secondes, ça va offrir peut-être une dernière tentative avec Théo Guérin. Pourquoi pas Théo Guérin, le décalage. Vers Constant. Aïe, aïe, aïe. Le ballon qui a été contré. 30 secondes. Ah, ils vont prendre leur temps. Les Danois, il faut essayer d'aller récupérer ce ballon au plus vite. Attention, deuxième poteau. Encore une fois, le capitaine, le contrôle. La passe qui était intéressante. Attention à cette frappe. Ça passe à côté, heureusement, 15 secondes. Allez, la dernière, côté français. Avec Jérémy Bru. Oh, dommage. Elle était très
très belle cette reprise de volée. Il n'y avait personne au deuxième poteau pour couper la trajectoire. Il reste 4 secondes, une dernière peut-être côté danois. Attention à la folie danoise, non. Tir au but pour ce match entre la France et le Danemark. Ils ont tout donné d'un côté comme de l'autre. Ah, Théo Guérin, il est épuisé, il aura fait les 36 minutes de jeu. Avec Claude Barabé qui est en train de sélectionner les trois joueurs hein, qui devraient se charger de ces tirs au but. Allez, on rappelle les règles. Les supporters français qui ont fait le déplacement ici à Alghero en Sardaigne. On a entendu hein, Mehdi Sayoud dire que tous les joueurs devaient venir au milieu. Alors, sauf Samir Belhamri, si j'ai bien compris. Oh, c'est un petit peu cruel ça. Peut-être une règle spécifique lors des tirs au but. Ouais, beaucoup de respect évidemment entre les gardiens, ouais, des joueurs à part, hein. Clairement, Madsen et Théo Guérin. Allez, c'est d'abord les Danois qui vont tirer en premier dans cette séance de tir au but. Allez, c'est Axel Dam, lui qui avait marqué. Ah oui, bien vu Aurélien, c'est parce que Samir n'est pas rentré en jeu. Contrairement, on le voit, hein, au gardien Oliver Lévin, le numéro 1, qui lui avait débuté ce match. Allez, attention Axel Dam, on a entendu encore une fois Claude Barabé dire attention, lui c'est plat du pied. C'est vrai que c'est comme ça qu'il avait marqué son but. Allez, belles images toujours avec Denis D. Il n'y a pas eu énormément de temps de jeu dans ce match. Allez, Axel Dam. Face à Théo Guérin. Oh, c'est superbe. 1-0 pour les Danois. Le plat du pied, il est parfait. Pleine lucarne. Ouais, la lucidité hein, du buteur danois. Il n'y a rien à faire. Compliqué. Eh oui, on entend le banc français. Allez, Anthony Barbotti, les joueurs d'expérience. Lui qui est en train de vivre ses dernières heures, ses derniers matchs avec ce maillot frappé du coq français. Anthony Barbotti, 2 buts en 2 matchs dans cette compétition. Et on s'est arrêté par Gustav Madsen. Le bel arrêt du gardien danois. Barbotti qui a tiré tout droit, il me semble.
Ah, il a voulu assurer et Madsen ne s'est pas laissé avoir. Allez, Théo Guérin. Face à Kasper Jorgensen, il nous a fait du mal. Le capitaine danois, auteur d'un superbe but. Allez, Jorgensen. Face à Théo Guérin. Théo Guérin peut-être pour sauver. L'équipe de France, ça passe juste en dessous. Il est bien tiré encore une fois. Jorgensen, et attention parce que si le prochain tireur français le rate, ce sera malheureusement une nouvelle défaite pour les Français. Ah ouais, Théo Guérin, il le sait. Hein. Pas passé loin de l'arrêt. Allez, après Anthony Barbotti, c'est Jérémy Bru. Les deux meilleurs buteurs français en activité. Allez, Jérémy Bru, le joueur du Marseille Beach Team. Parfait. Contre-pied, rien à dire. Gustav Madsen qui avait anticipé. Allez, il est beau celui-là. Et on l'a entendu, hein, Théo Guérin. C'est le moment ou jamais. C'est maintenant qu'il faut nous sortir un arrêt déterminant face à Carlos Carr Vigurberg. Le Danois face au Français. Allez, Théo Guérin qui aura fait encore un gros match, qui a beaucoup tenté. Allez, Théo Guérin face à Vigurberg, et l'arrêt de Théo Guérin. Aïe, 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 il a bougé. Ah, ça va être à retirer, il me semble. Agacé Claude Barabé. Est-ce que Théo Guérin serait sorti un petit peu de sa ligne? Il va prendre un carton jaune. Allez, attention, il faut rester concentré. Aïe, 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 victoire danoise. Carlos Carr Vigurberg en deux temps. Cruel fin de match encore une fois pour les Français. Le tout jeune Danois de 21 ans qui frappe du pied gauche. On revoit, ça c'est le premier arrêt. Alors, c'est pas trois tireurs. Hein. Je pensais d'abord que c'était trois tireurs. J'avais essayé de trouver l'information pour cette compétition. On va continuer. C'est peut-être cinq tireurs. Hein. Alors, c'est pas terminé pour les Français. Allez, on va y croire encore. Allez, c'est Anes Garbi, lui aussi, qui a marqué deux buts en deux matchs, qui a été excellent à chaque fois qu'il est entré en jeu avec son pied gauche, avec sa vitesse. La jeunesse de l'équipe de France, peut-être le futur également. Anes Garbi, petit coup de poker du coach espagnol Gomez Leon qui a fait rentrer Oliver Levin sur cette fin de séance de tir au but. Allez, Anes Garbi, il en a vu d'autres. Il va s'élancer. Anes Garbi, il va prendre son temps. Ah, superbe. Il a ouvert le pied. Il a vu tromper Oliver Levin. Ah, bien joué. Hein. Plat du pied, parfait. Alors, si les comptes sont bons, on est actuellement à 3-2. Qui voudrait dire qu'on a 5 pénaltys, donc tout est encore jouable. Il ne faudrait pas que cette séance de tir au but s'éternise quand même, sinon les joueurs vont jouer presque dans le noir. Bon, on a le temps quand même, hein. En Sardaigne, on sait que la lumière du soleil brille longtemps. Allez, peut-être de nouveau Théo Guérin face à Oscar Jorgensen.
Attention, Jorgensen, Théo Guéra. Oh là là, il a fusillé, rien à faire. Le Danois, devant son public, devant les jeunes supporters. Ah, ils sont bien tirés. Hein. Rien à dire pour l'instant. Cette fois, il a croisé. Allez, c'est Kylian Varel. Celui-là, normalement, si le Français le rate, ça serait malheureusement terminé. Désespoir français. Allez, le superbe ballon. Kylian Varel. Allez, Kylian Varel pour entretenir l'espoir. Superbe. Plat du pied parfait, pleine lucarne. La lucidité du numéro 9 français. Ouais, parfait. Hein. Allez, c'est maintenant ou jamais. Allez, Théo Guérin, c'est maintenant ou jamais pour cette équipe de France face à Lucas Franzen qui a le ballon de la victoire au bout des pieds après encore une fois des prolongations qui nous ont emmené presque jusqu'au bout de la nuit. Lucas Franzen, attention, le plat du pied. Et c'est la victoire des Danois. Ils auront fait un 5 sur 5. Rien à faire pour les Français. Théo Guérin qui est parti du mauvais côté. Ah, pas évident. Hein. Et, ils ont été très bien tirés côté danois. Il y a eu ce fait de jeu aussi où Guérin avait arrêté aussi le penalty. C'était un petit peu avancé. Fait de jeu. Ah, il est déçu Guérin. Hein. Ça peut se comprendre, mais... En même temps, je ne sais pas s'il peut vraiment s'en vouloir. Hein. C'est toujours très compliqué, ces séances de tir au but. Il a fait un gros match, Guérin. On va profiter des dernières images. Donc malheureusement, avec cette équipe de France qui de nouveau s'incline après prolongation. Ça avait été le cas hier face à l'Estonie. C'est de nouveau le cas face au Danemark. On va espérer, pourquoi pas, une réaction d'orgueil, une fin en beauté face au Portugal. Ce sera demain à 15h30. Soyez au rendez-vous donc sur la FFF TV. Est-ce qu'on va revoir... Scandale, Ricardo, les arbitres, scandale. Il faut retirer un pénalty, ils n'ont pas... Ah oui, il est pas content. Hein. Claude Barabé, ça peut se comprendre, de la frustration. Voilà, on revoit les plus belles actions avant de rendre l'antenne. Avec encore une fois donc un Théo Guérin qui a beaucoup tenté. Allez, Théo Guérin, on entend hein, pendant ce temps-là les trois derniers tirs au but qui ont été arrêtés comme ça. Ils ont été retirés. Guérin, là, le décalage pour Barbotti, le superbe but français. Ah, regardez, un Guérin pour Barbotti. Super barré, Guérin, il a fait un gros match encore une fois. Hein. Il est passeur décisif deux fois. Il a fait un nombre incalculable d'arrêts. Je ne pas qu'il s'en veuille. Ah, celle-là, elle lui passe juste en dessous. Le ventre, le plat du pied. Ah, dommage. Axel Dam, hein, le buteur maison de cette équipe danoise. La frappe de Barbotti juste après qui passe à côté. Il aura beaucoup tenté aussi Barbotti.
Ah, il a été bon aussi, hein, ce Gustav Madsen là, un petit peu moins académique peut-être que Théo Guérin, mais il a fait les arrêts qu'il fallait. Ça, c'est le superbe but d'Anes Garbi. On croit à ce moment-là que l'équipe de France a fait le plus dur. Il reste 1 minute 30. Et malheureusement, le but derrière qui va être encaissé par Kasper Jørgensen, on va le revoir. Hein. Là, c'est Garbi. Plat du pied gauche parfait. Et le voilà, le superbe but. Théo Guérin qui ne peut rien faire. Et ensuite, donc, cette séance de prolongation. Et les tirs au but, on va peut-être pas tous les revoir quand même. En tout cas, Axel Dam, on va tous les revoir. Allez, on va terminer comme ça en fanfare. Anthony Barbotti qui rate. Et derrière les Danois, ça a été un sans faute. Kasper Jørgensen, coup de fusil. Jérémy Bru, plat du pied parfait pour tromper le Danois. Et là, ça a été voilà, le fait de jeu. Wegerberg, je ne sais pas si on va revoir. Voilà, c'est arrêté. Finalement, c'est retiré. Il marque derrière. Anes Garbi. Plat du pied également. Celui-là, elle est croisée dans le petit filet. Il n'y a rien à faire pour Guérin. Et puis, Kylian Varel qui entretient l'espoir. Le tout jeune attaquant français. Mais c'était sans compter sur Lucas Frandsen qui est venu offrir donc la victoire danoise. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Passez une excellente soirée. On se retrouve demain. France-Portugal, 15h30. Soyez au rendez-vous pour l'après-midi de Beach Soccer. D'ici là, portez-vous bien. À demain. Ciao, ciao. Bonne soirée à tous.